Top 7 Magazine politique ya Radio Top Congo FM oyo ezongelaka basango ya motuya ya poso mobimba elongo na bateur politique pe ya société civile. Présenté par Myriam Bokechu, Mikolo Nyonso ya samedi na ngonga ya 20h15 pe dimanche na ngonga ya 18h. Pour na ko participer, benga na 089 37 35 852. Top 7. Politique ya RDC na Bozindo. Bonjour à tous les auditeurs Bandeko Balandi à Top Congo FM. Tozali lisusu na esengo mingi ya kokuta na bino koyeba ke bozali ebele en train de suivre magazine Nabiso Top 7 oyezongela ka ba sujet oyé marqué semaine ba sujet d'actualité oyé marqué semaine ou très bondeli ya poso timokolo ya lelo le samedi pratiquement suka ya poso donc tozali na esengo mingi ya koyeba ke bozali lisusu ebele pona kolanda émission Top 7 oyé mokolo ya lelo. Tokozongi la ba sujet oye marka ki semaine oye zali kokende deja na souka boyebi dossier à changement to révision à constitution la lettre ouverte oye zala ki ya secrétaire général ya UDPS alansaki lettre oye atinda ki na ba président fédéraux atinda ki na ba kambi ya UDPS na niveau ya ba province pe na niveau ya ba cellule ba ebanako mobilisé pour na oetali révision ya constitution dossier ya navire oye ba ki nako dinda na kati ya lac Kivu dans la province à Nord Kivu et puis participation à RDC na francophonie avec le départ ya président Félix Tshisekedi o ya komaki tina suka ya masolo anate parce que asilikaki na lolenge France président nango ayebaki na ko prononcer discours te sur la question congolaise pe ba question ba sujet mosusu ezalaki na actualité ezalaki lisusu dossier justement ya situation sécuritaire dans l'est du pays avec prorogation à état de siège au salami 83e fois ba prolonger l'issue état de siège na province ya Ituri pe ya Nord Kivu et aussi 100 jours ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka bongo pona kolobela ba sujet nyonso wana tozali bongo na esengo ya koyamba pona bino na mokolo ya lelo le nouveau secrétaire général ya parti politique Envol parti politique ya opposition maître Rodrigue Ramazani Mbote Mingi. Mbote ndeko zemanzanza, mbote na ba Congolais baike pa kolanda biso bipa biso bazali, pe particulièrement mbote na ba cadre pe militant ya parti en vol. Tomona ki lokasa ya ndeko Delice Esanga oya bimisaki ya sali mise en place ya sika, je rappelle que parti en vol ezali parti oye kamba marabongo na ndeko Delice Esanga ezali parti ya opposition, mise en place ya sika e salami ba nomeo secrétaire général ya parti politique en vol. Na mission nini o ba PCO tango zwa ki nomination ana, c'est quoi la mission o ba PCO derrière nomination ana? Matonde mingi. Mission na biso ya liboso na nomination d'abord on appelle ça matondi mingi une fois de plus na président national na biso de Lycée Sanga pour na responsabilité à mon eno apesinga ya kokumba parti faro ya opposition et longo na ba membre ya comité national nyonso en tout cas pour na yango botondi mingi mission na biso ya liboso ezali ya ko arriver d'abord ya ko fédérer ba force ya mboka na biso ko fédérer ba makanisi nyonso ba intelligence nyonso o esengeli autour ya idée o en voilà ko porter depuis 2023 idée ya refondation du Congo ezali projet politique auto ko présenté na ba congolais esengeli ba congolais ba ike ya mayele nyonso ya bipai biso to sangana sika wa non pas autour ya moto mais autour ya makanisi auto ko présenté biso to présenté projet wana mais ko sengana yango ezala renforcer na ba mayele belé d'où tozali na mission ya ko sangisa ba congolais bipai biso mission mosusu ezali ya ko bundela démocratie na biso lelo ezali menacé na ba toba ko yaka la makanisi ya nyamoni ya moya ko luka ko pesa ndeko tiseke di troisième mandat pe ko consacré pouvoir à vie ko zongisa biso sima ko sangisa pe bato wana autour na yango pour que to bunda et na likambo wana to bate la constitution na biso en bref aussi ko bunda pona ba droit et liberté à ba congolais oyo lelo ezali menacé na ba arrestation na ba torture ba traitement dégradant parmi ba objectifs na biso ezali ya ko bunda
et le moins là-bas congolais nous sommes autour d'un. Parmi action Noé Aliboso menée zala qui lettre ouverte au Bosinaki yo secrétaire général na bandeko ya comité national lettre ouverte et à parti politique en vol où a s'est prononcé sur la question. Vous avez parlé dans votre lettre à changement et à constitution sujet Nabiso Totangaki Aliboso d'ailleurs remarqua qui paie actualité à semaine bo s'est prononcé ni Toriko Kangana lettre ouverte au yo bo publiaki na mokanda o ebimi signé par le comité national et en vol. Il y a les bosseurs là qui autour parce que question on est bandit quand même commis le belama ming et pas bandit qu'on a bu soit IDPS n'a pouvoir les canis n'a pas moyen de changer constitution à école pour pas sa biso constitution yasika et c'est quelque quand même que en vol te paie sa mécanisme n'a biso. Il y a les bosseurs et là qui pendant que yebisa bandit qu'on a bu soit bah quoi la mécanisme wana yamabe été l'icanisiako bongo la constitution et comme même instabilité wana ya liboso yami balé ko rappeler pona toko okapé loko moko ko kota na kati ya confusion bandeko ya pouvoir bakoloba esengeli na bango ba réviser maintenant bakoloba réviser bakolukaba simba article 220 na ko changer durée pe nombre ya mandat ya président de la république. Bolanda qui secrétaire général, il y a parti présidentiel na plateau nabino, na antenne nabino à lobby et singeli ko prolonger mandat à président parce que mandat wana ali muke. Donc ba ko luka ko zoba population. Bisoto ala qui na devoir ya ko éclairer, ya ko la qui ça été ko luka ko simba 220. Et ali révision té ali changement parce que différence ces ali ya makasi entre changement na révision à constitution. Yali boso changement et zali kolongo la constitution oyo tozali na ngo lelo pour na koyala na constitution asika conséquence na ngo zali komema république asika tokozonga compteur à zéro tozongi sima pour été ndeko tiseke di azala na capacité ya ko se permettre troisième mandat alors que révision ezali ko changer quelques dispositions ya constitution kaka sans ko changer constitution. Constitution na biso ezali na banyama ekila. Nyama ekila wana ezali na kati article 220 ya constitution na biso. Te singela ki na biso liboso ko pesa population na biso éclairage wana pour que bande kwa yi de pesa na sima ya makanisi na bango mabe bako bomba information a solo o ezali intention na bango royal changement à constitution et non révision. Yami balé yako yebisa ba congolais été et sengeli tel le loba zongi sabiso na système ya ba mobutiste o ezala ki mingi ba tata ya bato mingi ba na IDPS ba père fondateur ya IDPS mingi ba participa ki na conception ya monopartisme na Congo ba participa ki na mise en place na dictature na Congo ba ya lelo ko zongi samboka sima parce que bazali na ba petit na bango o ele kindelo biso torobi non boko boma démocratie singil côté le mena yango ya misato ko yebisa na batonyo so ba konti ba député national ba sénateur ba élu na ba ya ba province et puis ko yebisa population congolaise ba se désolidariser na likanisiyo parce que zali likanisiyo ko tout ba constitution na biso mbeli ezali likanisiyo ko étrangler démocratie na biso ezali likanisiyo ko zongisa mboka na biso sima. En tout cas, en simple, ezali objectif nabiso tant que tobimisi lettre verte nabiso poto yebisa ba congolais que likanisi wa na obako ya nango ezali likanisi ko soutenir te esengeli bongo ba congolais banso to sangana to tele mela likanisi oyo ya moto moko akoluka ou mela bena bo konti pona ba intérêt ya ye moko contre ba intérêt ya population. Mais est-ce que problème ezate déjà na appréciation à ba concept au petit explication ya o la kisi changement en constitution na révision en constitution mais kolanda ba communication notamment un secrétaire général ya IDPS azali et mon côté ndeko teni longondo nande ko premier vice président assemblée nationale bango pe ba communica ki ba lobela ki d'ailleurs na circulaire publié ki a lobby circulaire na ezali relative à la campagne de sensibilisation pour la révision de la constitution du 18 février 2006 a précisé Zali campagne pour la révision en constitution mais yo Zali ko affirmer que attaque ya lobby et Zali révision yo lobby té initiative na bango Zali changement en constitution est-ce que Zali tende balobara na lof na lopoto ko prêter bango ben intention à o balobité
Nazar reprêté ba attention té Nazar n'a pas fait. Lors d'un matinée politique animé par le secrétaire général et le parti présidentiel. Azala qui clair. Alobi que Sengeli soit Alobi et Sengeli to changer to et Sengeli Azolo ba to réviser na malobana Alobi to réviser. Mais na ba explication na e akolobaba réviser nombre peut durer à mandat. C'est là où nous disons pas qu'on utilise communication de manière subtile pour ba sa population na biso. Biso tozali ba éclairer tozali na devoir ya ko éclairer population. Révision constitutionnelle trotter le mélango le rôle à boni d'abord par principe parce que constitution yé moko a ko prévoir ba mécanisme ya révision na tozali na article 200 18 219 ya constitution nyama ekila ba intouchable ezali 220 n'est-ce pas trobo ya moté biso moko en volto ala ki initiateur ya révision constitutionnelle pour na ko renforcer évidemment démocratie qu'on consolider démocratie nabisso qu'on renforcer fonctionnement et institution nabisso les autres au côté de la révision constitutionnalité sauf que la question de l'opportunité se pose par rapport à ça au regard il y a 219 il y a constitution et pas yuapi baye bisibiso il y a libosso qui beaucoup comme ça révision constitutionnelle ce qui m'boque ezali na situation il y a état d'exception les autres ezali na situation il y a état de siège donc révision constitutionnelle et conseil matin mais na communication na bango bato ya union sacrée Bolanda qui ancien ambassadeur ndakisa ndeko atundu o azali au cadre réunion sacrée a robeta clairement makambo il y a changement ya constitution ce que tolandi pe explication il y a secrétaire général il y a IDPS ce qu'on a dit explication na dans le fond il parle ya ko toucher nombre à mandat durée à mandat wana ezali les sous révision te ce qui pour toucher nyama ekila ezali o ba congolais ba bundela le 19 octobre 2016 ba tuba kufa sur l'avenir enseignement biso na IDPS na balabala to bunda pour être Kabila a bakisa mandat te pour te Kabila toucher 220 toi là qui na ba pancarte ba comment ne touchez pas à l'article 220 de la constitution donc ce qui de kokabuya abandi ko loba déjà que Sengeli na bango ba prolonger mandat parce que pour eux 10 ans c'est rien to comme une situation mon amboro on a comme l'impression que le temps est à notre disposition ba pesi 10 ans 10 ans on a ba pesi ba on ba lobi que za mokie chef de l'état et za mokie Sengeli ba pesi 30 ans on a comme l'impression que tant ils ont la disposition na biso c'est inacceptable yango biso to lobi que tant ils ont la disposition na biso te 10 ans on a ba pesa yango ba pesa yango pourquoi ba pesa yango pour que congolais nyo so azali na maina makila na nzoto congolais nyo so azali na bongwe ko tambola et Sengeli na ya ye ba ki akoki ko gérer Congo au-delà ya deux mandats et 10 ans te 10 ans de souka wana ezali moboko ya pacte républicain et ko permettre ba congolais ba telemela moto nyonso oyo azali na likanisi ya ko concentrer pouvoir moto nyonso oyo azali na likanisi ya ko komisa pouvoir personnel en vue ya ko wumela na bokonti trobi bokonti ko zwa moko sala be 10 ans soko za na chance évidemment mandat liboso ya mibale ya li 10 si malango okay ezali sumute ndekotisekedi azwa ki bokonti pacifiquement alors na 2028 esengeli na bango ba intégrer que ko prolonger mandat ezali impossible ezali mission impossible et infaisable congolais ata mokote Sengeli andi malikanisi wana et en vol a telemi po ete a telemela yango donc deuxième mandat na ye ce qui est commis na souka la 2028 et Sengeli na ya bongama po asa la passation pacifique et civilisée de pouvoir ndenge moko oyo asalaki nande ko Kabila donc ezali likambo ya intention te to ko prete bango ba intention te ezali ba fait na maloba na ye a ko loba likambo mosu na présentation ko présenter révision mais na maloba na ye ezali changement et pa yuwa pe Sengeli congolais fungola misu ati kateke ba zobaye nde en vol to beti kelelo po congolais nyonso a fungola misu likanisio ya bo ya bo zabolo oyo ko mema congolais na bisika o to lingi to zonga lisusu te e Sengeli to te le melayam mais kolanda discours na yo parti na bino en vol pe se prononça na ngonga moko pour na révision en constitution
bosala d'ailleurs pétition bo initia bokenda ko déposer ngo na assemblée nationale bo loba ifala to longwa na ndenge za la tour mi balé élection to zongisa ngo ndenge za la tour moko to zongisa ngo tour mi balé bo pesa ki pe o ezala ki appréciation na bino sur la constitution na kotanga ngo na lifa lancé to ko bandela ngo na lingala pona ba auditeur nyoso bazolanda biso. Notre constitution, comme toute erreur humaine, a présenté ses limites. C'est pourquoi, pour pallier à ces limites, nous avons présenté justement notre réflexion, notre proposition. Aujourd'hui, nous avons déposé notre proposition portant révision de la constitution, notamment la question de l'exclusivité des nationalités congolaises, les tours uniques à la présidentielle. On est à la Kibongo, Malobaya, porte-parole, il y a parti Nabino Nangongawana, Ndeko Nicolas Daniel Lenga. Mais lelo bandekopé balobi il faut tokine na lolenge ya ko réviser constitution makanisi obinobe bozaki nango pourquoi divergence alors que binonyo so départ bozaki komona ndenge moko divergence ezali na bango ya liboso il faut na expliquer en vol na 2019 to proposa ki effectivement par voie pétitionnaire to collecta plus de 100 1000 signatures autodéposées en Assemblée nationale pour la révision constitutionnelle. Effectivement, n'importe quoi le bon même au départ il y a émission dans le but que constitution. Tout le révision constitutionnelle parce que constitution y est moko azo prévoir bah mécanisme il y a révision là. 218 il y a constitution article 218 article 219 220 et ça n'a pas ni à ma équila. Oh ceux qui ont lié à moi et c'est les vins bisaoué longi et bisaoué mbebo et ciao pour nous nalibomo 220 n'est qu'au simbate mais révision est allé prévu voilà tout beau yamote voilà aliboso yami balé en voltant à présenter proposition à révision à constitution il y avait opportunité de réviser la constitution l'opportunité c'est que tout cela qui n'est pas d'exception t'es oh et puis qui s'est mis l'article 219 219 déjà yemoko akotia mondelo alobiété ko réviser 218 hein boko réviser bota la procédure à révision mais boko kiko beta li solo révision ce qui mboko la mine en état de siège état de guerre ce qui mboko la mine en intérim na présidence de la république wanezanga te sa constitution yemoko envoie la proposa ki yango mais pourquoi il faut pas remettre une question pourquoi révision constitutionnelle envoie le kenda kitina sukate vous vous souviendrez aux journalistes et écrivains du présent on se souvenir que Delis se sent à la tribune et Assemblée nationale, à l'époque député national, à Zouaki Malobapon a relobaté, bah, aligné projet à révision constitutionnelle, à l'objet conformément à la Constitution. 219, article 219, Mbokeza sous état de siège, donc débat sur la révision constitutionnelle de Rosalangote. Et jusqu'à aujourd'hui, débat on a installé maté. On a allé au sommet. Bande konabi soit IDPS, bah Robert allé solo à révision T. Bah aussi maniama ekila. Natangelio circulaire et secrétaire général, il y a IDPS, ça lobby clairement que zali campagne à sensibilisation pour la révision, il y a constitution. Mais tant qu'on y a solo bah révision, bino bozoyoka changement à constitution. Est-ce que problème bozo se situe à niveau anaté à bino, il y a compréhension à bah concept bozo loba oyé à lobby te nakati à mikanda nae. Parce que au lobby bino pe boza d'accord pour la révision en constitution est-ce que bozo bangate parce que état de siège vous évoquez baza majoritaire au niveau assemblée nationale est-ce que bobangi na bino zate ke baloba to ko proroger état de siège te to longo la mesure ya état de siège pour te réviser constitution ni bozo banga concrètement na lobby boy biso to ko faire to ko démontrer différence parce que bateau va comprendre le concept était zabisoté ils allaient secrétaire général à IDP si on a comprendre le concept était tant qu'on a qui na matinée politique n'est dans une des communes de Kinshasa à l'obini à quoi ben c'est une révision constitution mandat mon kondiamboka en réalité a travaillé car à 3 ans et c'est une lito pesto to change to prolonger mandat et zabisoté bateau le baki yango et zabisoté parce que d'ailleurs bisoté bateau bango d'ailleurs biso tant to yoki Makanisi wane bimi na monoko secrétaire général que sengeli ba prolonger mandat ya président de la République parce que ko jeremba ka 5 ans muki ndetu lobi non et sengeli to éclairer l'interne ya ba congolais pour ba congolais ba comprendre nzela nini ba toyo balingi ba même mboka oyo akoloba na oyo akomi et ali na bokeseni intention na ye mais yango na kasi baloba ka procès d'intention na le poto de gorodo na zosa le procès. Il y a lobby de révision à la Constitution. Ils ont insisté aux autres qu'il y a un changement à la Constitution. Décosé. Dans le lobby, awa, article 220 est en Yamaïki. Dans l'article 220 est en Abiloko, il y a un peu de qui sont la révision constitutionnelle. Ce qui est en train de se révision constitutionnelle, ce qui est en train de se faire, il y a un changement à la Constitution. Est-ce qu'on est d'accord?
Parce que l'article 220 est allé intangible, est allé verrouillé. Réviser ma disposition, mais l'élément où il y a un cas de simbaté, notamment nombre et durée, il y a mandat à président de la République. Lorsque, en pleine activité politique, le secrétaire général, il y a parti présidentiel, ainsi que d'autres au cadre, il y a union sacrée, babandi kokloba déjà les kambouya ko prolonger mandat présidentiel. Tout ça est sous la révision constitutionnelle, t'es bazali de malhonnête. Bazali batoa lokuta bako luka bako sa peuple na monoko balobi révision mais objectif ezali changement. Alors biso étant que ba responsable politique, nous avons le devoir de barrer la route à cette histoire. Ya koyebisa ba congolais vérité, quelle est la vraie raison ya démarche na bango lelo ezali révision te ne cause ba zoba binote ba zoba ba congolais te ezali révision te bako senga tant bako luka ko prolonger mandat à président de la République. En réalité ba mobutiste Balingi ba réitérer exploit na bango. Balingi ba zongi sa monopartisme. Balingi ba zongi sa dictature. Balingi ba imposer pensée unique. C'est ça en fait l'objectif. Objectif ya bande qu'on a bison à pouvoir le lo. Balingi ba komi satiseke di Mobutu ya mi balé. Loko la batata na bango ba saki na Mobutu. Loko la batata na bango ba sungaki. Mobutu a neutralisé multipartisme. Le lo bana na bango balingi ba réitérer exploit wana. Poète ndeko tisekedi akoma Mobutu ya mibale. Est-ce que esengeli na biso to zobama na mikanda ya lokuta bako koma alors que na monoko na bango bako lobala biso makambo mosusu bako kache ba réelle vérité na bango biso tolobi démarche na bango ya li malhonnête ba ali sincère d'abord te na peuple congolais yango tolobi ezali révision te IDP sa ko préparer na union sacrée ezali changement ya constitution ponde ko tisekedi akoma Mobutu ya mibale basongi sa monopartisme na mboka o eloko lolenge na toti kangoleka. Mais Boulanda Tamoloba, il y a Yemoko, président de la République, dans une interview à Pessi à Sukawa, a lobby clairement que Azali, na makanisité a d'ailleurs à Sengi a lobby, ne faites pas de moi un dictateur. Est-ce que Maloba na Azali ko rassurer binoté? Mais à lobby la kipe, bah problème ou Azali ko mona na kati ya constitution ou Azali ko senga révision. À lobby li problème ya gestion à ba province, il estimait que ba koki ko nommé ba gouverneur et pas ya président de la République. À lobby li problème ya retard pour la mise en place ya ba institution. D'ailleurs, les présidents à parti na bino deli se sanga tant ou Azali ra représenté programme na ya campagne ou à lobby la ra ba 5 piliers pour na ou Azali ou la lidi ko sala ko soki a commis président de la République. A zongé la ki pe dossier ya ko lobby la makambo etali constitution. Il avait estimé Naba propos nae, article à retrouver sur le site de Top Congo FM. Voilà pourquoi, si demain vous nous confiez la responsabilité de diriger ces pays, la fonction présidentielle sera au service du respect exclusif de la constitution, mais alors toute la constitution. À l'obéli pelisousou et d'enchérir article des Ali, lorsqu'un président est élu, nous passons presque 6 mois pour mettre en place le gouvernement. Cette histoire-là ne sert qu'à des politiciens qui font du chantage. La révision de la Constitution fera en sorte que quand on nomme le Premier ministre, celui qui n'est pas d'accord devra voter contre le gouvernement. C'est-à-dire à l'oba qui peut volonté n'aïe à Koulouka pour réviser la Constitution, d'ailleurs en de même termes que le président de la République, on a interviewé à Pesaki. Pourquoi est-ce que Maloba ou ya lobby qui a l'ingité comme dictateur, bino bozali comme on est l'homme sous. Parce qu'un des gens de Rotiseke, il a toujours une chose et puis il fait le contraire. La wana liboso. Yami balé ezali que na Maloba na ye loko boyeb sa ba congolais car na interview na Maloba qui a retient en place une commission pour na doter RDC na constitution asika. Et ça ngate mon 20 ans, et ça le président de la République qui l'a dit expressément. Débat ne banda pourquoi? Parce que ye banda ki yango. Le loso qui parti na ye parce que donc il y a sa autorité suprême de référence. C'est-à-dire que Makanisi ata morote ata pona ko kosola ko tia président Séné sengeli ya suspendre Makamuni so tia ozonga po ba tia président Séné. C'est-à-dire c'est lui qui contrôle tout. Lelo, parce qu'on va makama Malobanaye, donc Alobara déjà une chose et il fait le contraire. Yami Balé, Malobanaye, Ezali, effectivement, oyo mdeko kabouya rosala lelo, baliki ba pesa ko RDC constitution à Sika. Mais likambwa révision constitutionnelle, puis soit lobby, naouti ko lobango en décausé. Constitution, yé moko à prévoir mécanisme et à révision na yé. Biso effectivement, tu réfléchis ça qui comment rationaliser les temps d'accès. Notamment,
y a Kobanda Mosala, il y a Parlement, notamment aussi Kobanda Mosala, il y a gouvernement. Parce que ce qu'on a dit de Kokabou, et là, on va comprendre, pour comprendre, ce sont des gens qui sont d'abord arrivés au pouvoir sans Kozala, na projet, sans Kozala, na vision. A Rolobake, Nazara qui est informateur, n'a constaté que Ekolia Bisotaming, oui, Ekolia Bisotaming, mais Makambo, on va constater que constaté le Bisotaming depuis 2019, où on a proposé la révision de la Constitution. Makambo, le président se sent à Lobaka, en direct d'ailleurs, il y a Top Congo, jour, il y a présentation à projet Naye, et Zali Makambo, initiative, il y a pétition sur la révision constitutionnelle avant la salle depuis 2019, ce n'est pas en 2023. Qu'est-ce que nous on veut? Parlez-moi pourquoi tu as. Et ben dans mon salle, ils arrivent moi cérémonial, hein, bah tiens commission moi en place, bah ça le règlement intérieur, et c'est chaque législature, bah tiens commission moi en place, c'est ça le règlement intérieur. Entre temps, ça prend du temps, ça prend du temps, ça peut vous prendre 2 ou 3 mois. Nous on a dit non. Allez place, il y a regarder règlement intérieur, na et ça la acte parlementaire, bisote le proposa qui te le bas qui essengeli et comme loi organique, et comme loi organique de telle sorte que une fois loi organique wana et bimi, une fois parlement yasike koti, balama qu'on constate birodage, Moussala et Bandi, on n'a plus besoin de la commission, batouba vanda des mois pour rédiger un nouveau règlement intérieur. Là, nous avançons, nous gagnons du temps. Deux, rationalisation et accès, il y a gouvernement. Effectivement, il y a du chantage autour. Batouer, moko babimisarambongo, pour être investir gouvernement. On a levé ce qu'on appelle la notion de la responsabilité des élus. Le président de la République, selon la révision constitutionnelle, Obisoto Proposaki, président de la République a nommé premier ministre dans le gouvernement. Premier ministre dans le gouvernement, Mbalamoko Bakei, qui a présenté le programme Nabango Liboso, il y a élu. Quant aux élus, Siko, ceux qui estiment que le programme, il y a gouvernement, c'est pas ici, il y a une responsabilité, il y a une motion de censure. À 2 motions de censure, on constate qu'il n'y a pas une majorité pour gouverner et le président de la République va tirer toutes les conséquences. Avantage, Nango Zanine, et ça dit que ça met chacun, le gouvernement, la majorité au Parlement, devant ses responsabilités pour que, que l'État va se ramboka, écoutera ramboka ming. En termes, il y a temps, et puis il y a gouvernance, il y a école. Ça, ce sont des réformes qu'on a apportées, c'est depuis 2019. Donc, d'abord, on met malélo, on dérocabouille, on met malélo, l'envol l'a résolu depuis 2019. Envol, de manière résumée, pour tous les canards, sujet mon sous-sous, de manière résumée, ce qu'il est l'état des sièges des alliés levés, et que UDPS a un projet à révision à constitution, comme parti en vol Pazaki dans ma canicie à Koloukaro révisé constitution, ce que Zali changement à constitution T, en vol Azad d'accord l'élo pour la révision à constitution, ce qui, Balongoli état de siège parce que lobby, article 219 et Zali co-bloqué, ce qui l'élo état de siège et Zali levé, en vol est d'accord pour la révision de certaines dispositions de la constitution comme levé l'UDPS. N'a le plus besoin de causer. Au-delà état de siège, le pays est agressé, le pays est occupé. Sauf si le pouvoir va nous dire le contraire. Vous estimez que les Congolais qui sont à l'est du pays, dans l'est de notre pays, avec près de 7 millions de déplacés internes, sans compter des morts, la misère, la souffrance, l'insécurité, pensez-vous vraiment, Bango Bato Baro dirigeant beaucoup, la priorité des priorités, c'est de réviser la Constitution. Ce qui va lever l'état de siège, il faut bâtir sa guerre. Revenons, parce que c'est la personne Mboka Ndenge, Ndenge Bazoua qui rentre dans ma boucle. Il y a Kabila. En 2019, quand Envol faisait ses propositions, il y a révision en constitution. Les pays n'étaient pas agressés. Les pays étaient aussi agressés. Non, les pays n'étaient pas agressés. Il y avait des groupes armés. C'était pas une agression. C'est-à-dire que aujourd'hui, le contexte, c'est une agression. C'est différent. Imposée à la RDC, c'est là qui donc. Osez, c'est différent, s'il te plaît. C'est différent. Nous parlons de 2 choses différentes. Aujourd'hui, à suivre les discours du gouvernement, sauf son gouverneur Kosarabiso. Nous sommes agressés par le Rwanda. On retrouve l'armée rwandaise sur nos sols. Nous sommes agressés. Le pays est agressé. Le pays est en mode opération militaire. Le groupe armé nécessitait des opérations de maintien de l'ordre public. On doit arrêter même de construire les routes à l'ouest du pays parce que le pays est agressé. Comment vous pouvez arriver à comparer la construction de routes
et la révision de la constitution qui touche l'ensemble de la nation. Donc pour ça Nzela na kitsa ba peksi bango la constitution. Alors encore que baruta ngo pe ba sala rangote. Baruta ngo pe ba ro yiba rambongo tongo midi pour la ba projet ya ba lampadaire ba forage. Nyoso ba ko sa ba 30 millions ba ko pe sa ba tout ba jeton de présence. Ba 30 millions de dollars ba ba aux orange ba jeton de présence dans six communes. Non mais osé, écoutez. Lelo, le pays est dans une situation où surtout ceux qui sont au pouvoir évoquer cette question est indécent. C'est insulter la mémoire de toutes nos populations qui sont tombées à l'est à cause de cette guerre d'agression que du reste ayez les biso licolo y a ba maladresse politique, y a ba to ba na pouvoir lelo. Ba sili sa guerre. Oyo ayez sous régime na bango. Ba lever état de siège, oui, nous pouvons discuter. Mais lelo na situation bon qu'on a bu ce sang nango, ezali inopportun de parler même de la révision constitutionnelle. Les changements encore moins. Wana koutou nyameki, là, il faut même pas en parler parce que mon toi kouti kabangote. Ezara ou loba vital kamere à l'époque, comme le lazam mouamba union sacrée, ba kotambo la licola bibembe à ba congolais pour ba changer constitution en bokao. Mais est-ce que wana pesa dictature te? Lolenge wana kosala bino opposition bozana droit de parole mais bozali ko empêcher to ko boya na bato mosusu bazala même na possibilité a ko réfléchir te ya ko débattre te ya ko gérer pays o ba confier bango et pas population après élection te et alors ba to roninga ko débattre sur 1 plus 1 égale 2 on débat pas sur des évidences. C'est un pacte républicain ezali compromis o et permettre stabilité na mboka o kolongola yango za ko zongisa biso na sima. Bokopé ça bato mususu ba intention ba la kalangote. Une constitution est appelée à évoluer, disait aussi Delice Sara. Mais oui, révisez-les. Il y a une révision, pas les changements. On a peut-être qu'on comprend makambo on a koloba. La révision. Pas de problème, mais il y a des soucis qu'il faut il y a des pesanteurs qu'il faut lever, notamment c'est sa guerre na est. Bon, ba bi sauté les lo que guerre na est. Mbokeza agressé na Rwanda, ba aussi sa makambo na te ba ko lela tongo midi pour ko mi pa ibiso ba ko tambola. Yami balé, ba tie état de siège. Ba pesanteur nyon so na ba ko mona ngote et lo ko li boso ba moni ezali ba changer constitution. Mobutisme na mboko rozonga esouté. Pouvoir unique et rozonga sous na mboko te. Pensée unique ko simba li souté. Parce que constitution est à 2006 éleva déjà équivoque wana. Et puis ça bisonia son zela rota la pona d'évolution à pouvoir. Et puis ça bisonia son zela rota la pona exercice à pouvoir. Lelo. Kozongi sa Congo sima en vol à kondima yango. Ata mokete et en voilà ko benga ba force vive nyonso ya mboka o nyonso bazali na bolingo ya démocratie ba tele melali kanisi wana ba tele melango pour que eleka ata mokete bandeko balandio bazui biso na katikati to na nzela ezali ndeko Rodrigue Ramazani nde azali invité à magazine Top 7 Rodrigue Ramazani na rappelé po na ba auditeur na ba bazali ko landa azali secrétaire général ya parti politique en vol parti à opposition parti tu es kamba makai pa ndeko délice sanga bo etro kende na sujet mon sous étali guerre d'agression na est du pays état de siège ba prorogé en haut 83e fois na niveau ya assemblée nationale pe na sénat et puis discussion na niveau ya Luanda où ezali ko évoluer totalaki dernier rebondissement avec ba déclaration notamment ya ministre affaires étrangères RDC na conseil de sécurité ya Nations Unies ndenge nini bozali ko mona na niveau na bino opposition évolution ya makambo na au Italie guerre d'agression état de siège Bapoussi paix discussion à Luanda. Maintenant, mingi de causer ezali déplorable qu'on constate que tous on naviguer à vue pas d'avancée significative pour la retour à paix parce que moni pour ba valeur il y a kimia il faut avoir vécu la guerre peut-être que bande kona biso moi ebelé au ba kokumba mboka lelo ba ba viva ba réalité wanate. Bakoe ba penzate dans quelle situation ba compatriotes na biso bazana est ndekoze ba congolais lelo to koyoka ba kei na Luanda ba sololi ba longo Luanda ba kei sika mosusu ba sololi ba kei na francophonie ba tangi biso te baleli mais la question qui se pose qu'est-ce que le pouvoir a comme mécanisme pour finir tout ça parce que ça dure et où meli solution comment on en a été batoba qu'on continuer qu'on koufa batoba qu'on continuer qu'on tomber. Je peux vous rassurer de causer n'importe quoi sur le bas on a quatre projets de fondation à Congo tant que le Congo ne sera pas en mesure
de dissuader toute attaque interne, tout comme externe, négociation, discussion, sommet, Congo Rosara jamais na Kimia. Aujourd'hui, nous avons l'objectif majeur, c'est de retrouver la paix. Mais la seule manière à retrouver paix est d'aller causer la capacité à dissuasion crédible. Et pour avoir cette capacité à dissuasion, il faut arriver à réformer notre système de sécurité et de défense. Parce que ba table ronde boni gouvernement ba kay attaque ba maladresse pe lekebele ba kay na Luanda ba suba engagement pour na maramba FDLR qui non le lot la mauvaise foi du Rwanda continue à se démontrer ba boy ko soba engagement. Ils ont leurs armées, leurs militaires sur notre sol. Pourquoi pas qu'on refuse qu'on soit engagement? Bon, le gouvernement a besoin d'engagement. Il y a Rolongo là-bas, FDLR. Je sais pas pourquoi, parce que depuis un moment donné, parce qu'on a besoin que FDLR a côté, il y a FRDCT. Lelo, pourquoi pas changer de discours? Manque à cohérence, il y a conduite, il y a politique, diplomatique. Et aujourd'hui, le Rwanda est en train de nous tourner en brique. Mais comprenez que le Rwanda est de mauvaise foi. La seule manière du Congo pour nous retrouver Kimia et Zali n'a capacité n'a qu'à se défendre, pas n'a capacité n'a qu'à dissuader toute attaque. Pour nous l'envol, diplomatie faites-le. Mais la première des choses, la meilleure des diplomaties, c'est d'avoir une armée capable de repousser toute attaque. Mais aujourd'hui, après tout ce que nous constatons, nous remarquons que perspective est athée. Pouvoir attisser les barres, mais c'est comme ça qu'on m'a à part qu'on est là, dans le sommet, il y a francophonie. À part qu'on est discuté dans maladresse, qu'on trouvait, bah, résolution, dans différents forums, au bar, qu'on est, eux, quand on a intérêt, il y a pas congolais, et jusqu'aujourd'hui, c'est les Congos qui payent le prix cher. Mais est-ce que, les pouvoirs actuels, azo ça la face, en réalité, au niveau international, azo l'an d'aba déclaration, y'a ba pays ébélé, comme on dit, des grandes puissances, au basali, qu'on s'est prononcé sur la question congolaise. Bah, lobby clairement, que solution, y'a ma kamboya, au basali, qu'on les gagne RDC, et qu'on a la solution à Mindou quitté, et qu'on a la solution, y'a dialogue, y'a ma solo. Est-ce que, en gros, on attend des alliés qui ont empêché, notamment, la RDC d'aller vers les initiatives, y'a relouga, qu'on appliquer la force pour, non, qu'on respecter l'intégrité territoriale? Le jour où la RDC sera capable de se défendre, le jour où la RDC aura un système de défense dissuasif, nous avons proposé en haut dans la refondation du Congo, une grande puissance, les barouébis à Rwanda, Tika Buzoba. Ce qui RDC a continué à Kanisa, était dans différents forums où il y a des gens qui ont été mis. Parce que bah, faire face car parce que Zali peut malheureusement n'aurait pas porté parole au gouvernement face à ma il y a politique internationale où Zali en faveur on a sauté. Mais qu'est-ce que vous allez faire dans tous ces forums? Travailler en interne, trouver des solutions en interne. Qu'est-ce qui empêche la RDC aujourd'hui de démontrer que nous avons un problème sérieux? À suivre certaines déclarations, notamment il y a le chef d'État net à Kenya. Vous pouvez, il y a réunion entre les chefs d'État, où la RDC a clairement dit que les M23 étaient des Congolais, ainsi de suite. Ça démontre à suffisance qu'à un moment donné, il se pose un problème de cohérence même dans la conduite, il y a politique diplomatique, Nabisso. En termes, il y a coordination, il y a conduite, il y a politique. Ce qu'on le Lengenini, Makambo, Kotambola, ça pousse peut-être certains États de ne pas nous prendre suffisamment au sérieux. Alors, ici, la situation est que nous sommes face à un défi. C'est de préserver notre intégrité du territoire. Pour le préserver et protéger notre souveraineté, est-ce que nous avons vraiment besoin des avis des autres? Il est temps aujourd'hui que Congo a comprendre, évidemment, dans cette optique, que doit comprendre que la seule manière de trouver la paix, et la paix durable, parce qu'il ne suffit pas de conquérir la paix. La paix, on peut le trouver par des négociations. Mais il faut que cette paix soit durable, et c'est ça notre objectif. Que la RDC, la République démocratique du Congo, a la capacité, il y a dissuasion crédible à travers son système de défense et de sécurité. Pour ça, il faut réformer notre armée, réformer notre police, réformer nos services d'intelligence. Aller place battre grab opposant bah torturer bah tirer à bongo là bah traitement moro dégradant.
basala musala na bango o ezali effectivement ya ko anticiper ba situation o ezali contre sécurité en bord na biso. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui est fait? Tout mon qui assemblée nationale législature passée loi à programmation militaire ezala qui opérationnalisée loi programmation militaire ezali ko déterminer montée en puissance et armée congolaise na Italie recrutement équipement et puis Koumata, en puissance et armée Nabiso pour les alarmer au lobby dissuasif total indéngé ba recruter to landi même discours na investiture à Zalaki na assemblée nationale mama Judith Aloba qui était bango ba rosala manso pour na gotia même 20% à budget na marambotali sécurité à mboka Nabiso. Est-ce que le gouvernement n'a pas fait assez ou ne fait pas assez pour na roluka pour permettre à armée Nabiso et Zalao et Sengeli pour na combattre la mboka Nabiso? Si le gouvernement en faisait assez, parce que si le gouvernement faisait assez, à cet instant où nous parlons, nous allons évoluer. Mais ce que nous constatons, par contre, la situation sécuritaire ne fait que se dégrader davantage depuis la loi à programmation militaire jusqu'à ce jour. Olobi Makambo a monté à puissance, il y a armée. Tous nous voulons que notre armée puisse monter à puissance. Il n'y a pas longtemps, Banaba, la formation à FO, ils étaient en train de revendiquer. Quel est le traitement qu'on met pour, évidemment, encadrer cette armée? La question qu'on doit se poser, nous tous. Le problème, d'abord, qu'on a vu, c'est que nous n'évaluons pas. Il faut évaluer. Loi de programmation militaire, nous sommes d'accord. Depuis l'arrivée de cette loi de la programmation militaire, où en sommes-nous? Il faut évaluer. Quel est le résultat? L'impact d'une politique publique, c'est dans le résultat que ces politiques publiques écopèrent. Mais les lots, tout porte à croire que ma politique n'y en sort. Au bâti en place, au Italie, ma camboya armée, et porter par résultat efficacité sur terrain. Et porter par résultat efficacité sur terrain. C'est pourquoi nous disons que Bandeko n'a mis au bar la pouvoir, sans planification, bas qu'on naviguait à vue, bas qu'on tâtonnait, c'est qu'on tâtonnait, résultat qu'on mématait. À la différence, Nabango, Bissot en vol, tous allés, la programmation. Bissot en vol, tous allés, la vision. Nous, nous savons ce que nous voulons faire de notre armée. Nous, nous voulons faire de notre armée un corps organisé et discipliné. Une armée puissante et dissuasive. Notre vision est là. Nous l'avions dit dans le bureau, on a quatre émissions. Je comprends que Bandeko na biso bayaki mingi mingi. Bon, vision à la guité, baroluka ko tatone siko. Et conséquence, on n'a pas de résultat. C'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui avec ce pouvoir. Il n'y a pas de résultats. Les Congos continuent à être en insécurité. Près de 7 millions de déplacés internes. On en est où? Où en sommes-nous? Programmation militaire, initiative, recrutement, d'accord. Mais c'est les résultats que nous attendons. Par contre, malheureusement pour le Congo, nous constatons que l'ennemi a quitté Bunagana. Il est dans notre territoire. Ça veut dire que la politique mise en place n'a pas donné des résultats. La politique mise en place est à la qui faible. Ils ont repéré sa résultat. Aujourd'hui, les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est cette gouvernance, c'est pas la constitution. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est M. Félix Tshisekedi et son pouvoir. Ce n'est pas la constitution. La meilleure chose à faire, l'élo. Ce qui est qu'on a mis sur estimer que trouver sécurité dans Mbokate. Ce qui est estimé que sa érosion sociale, crise, nzala, passe à Congolais. La meilleure des solutions, c'est de démissionner et permettre des élections anticipées pour que ceux qui ont une vision claire pour résoudre le problème du Congo, ça la yango. Ngeko Rodrigue Mazani, actualité na semaine outil ko komana suka ezala ki pe élection ya RDC na Conseil ya droit de l'homme ya ONU décision de so élection yo bato ebele ba saluer ngo mingi pe ba critiquer bato mosusu ba lobby ya société civile notamment ba singi RDC a utilisé position ana pour na ko mema situation ya ba violation ya droit de l'homme o tozali ko subir pe ko lever la question congolaise ko mema yango na niveau ana ya Kolo Bakomi, comment est-ce que vous avez suivi l'élection en Nini-Tokosala après l'élection en tant que pays RDC? Conseil à droit de l'homme, bazar la mission est de protéger et de promouvoir, n'est-ce pas, principe à droit de l'homme dans le monde. L'élection au monde à RDC, Kokotawana, moi ça ne m'étonne pas parce que ce n'est pas la première fois, il faut le rappeler. Je crois qu'en 2017,
sous Joseph Kabila, RDC, Zala Kipé, membre du Conseil des droits de l'homme, il y a ONU. Lelo, Tokoti, c'est bien, mais nous sommes dans quel contexte, Lelo? RDC, Koti, nous sommes dans quel contexte? Toi, dans le contexte, c'est où le droit des Congolais est violenté. Restriction, il y a expression libre, il y a Congolais. Lelo Congolais, soko lobby, osa la journaliste, osa l'acteur politique, facilement, on vient te cueillir comme si tu étais un vilain monsieur. Comme si tu étais un criminel. Parce que tu as donné une opinion. Tu as commis un crime d'opinion. Lelo, les Congolais subissent des traitements, pas pour le mentionner, subissent des traitements dégradants. Nakati a ba service. Lelo, nous sommes dans une situation où les Congolais ne se sentent même plus libres. C'est comme si nous étions dans une prison à ciel ouvert. J'espère que cette entrée comme membre du conseil y a droit de l'homme et qu'on fasse en sorte que respect wana ezala. Parce que le droit, les libertés des Congolais, ezali négociable te. Ezali li kamboté le roi Bokotikuna et que tout a changé. Non. La situation de droit de l'homme en République démocratique du Congo, elle est inquiétante. Tota ozalana Je ne dirais pas que parce que RDC Lelo a commis membre du Conseil des droits de l'homme que la République démocratique du Congo est comme exemple des droits de l'homme. Au contraire, c'est une responsabilité maintenant pour Bato Balina pouvoir, veiller à ce que droits et libertés à ba Congolais à la respecter. Droits et manifestations à la respecter. Parce que là, je vois le pouvoir à autoriser ça la campagne pour comme le bon changement de constitution. Et Sengeli peut pas dire Bato peut pas la contre-campagne, il y a changement de constitution. Et Sengeli bandi ma ke ba manifestation publique et ça les ma sans répression. Donc ici pour moi je dis c'est une responsabilité Lelo que Congo a démontré sur la face du monde qu'effectivement il va respecter les droits il y a ba citoyens. Mais vous allez vous décrire tableau sombre et la situation en droit de l'homme au Tangi Baka et Belé, mais est-ce que liberté d'expression aux ali ko jure dans ngote pour nako aux ali ko jure dans ngo pour nako loba au nyo aux ali ko loba et zo contredire te justement restriction aux ali ko loba bazali ko ça là na liberté à population et à bateau et à journaliste et à acteur politique. Et donc, moi, je te parle de fait, hein, vous savez. Peut-être je suis courageux. Tu sais combien de Congolais qui aimeraient parler, qui ne parlent pas? Parce qu'ils ont peur. Ils ont la peur au ventre. Ils ont peur que, à la moindre escarmouche de leurs paroles, comme le disait quelqu'un, qu'ils soient arrêtés et interpellés. De quelle manière? De quelle manière ces Congolais-là sont interpellés? J'ai vu monsieur Milinganyo Barnabé être arrêté comme un vilain petit monsieur. On empêche à vos confrères de voyager à l'aéroport alors que leurs résidences sont connues. Est-ce que dans ce contexte-là, peut-on dire que les Congolais sont libres de leur expression? Certains Congolais sont courageux. Nous, on n'arrêtera pas de parler parce qu'on n'a pas peur de parler. On va parler. Mais combien de Congolais ont le même courage sur le plus de 100 millions que nous sommes? Aujourd'hui, on en parle ici parce que ce sont des cas connus et des cas qui ne sont pas connus. Non, il y a un sérieux problème de respect des droits de l'homme. On empêche à un citoyen, à l'occurrence M. Kikuni, arrêté pendant près de 2 semaines d'être en contact avec ses avocats conformément à la constitution du pays. D'être en contact avec sa famille conformément à la constitution du pays. Donc, comme il y a déjà une émission avec Rodrigue Ramazani, question à Souka avant Ozoa, les Lobanans et à Souka, 100 jours il y a gouvernement, Judith Nsumuna, depuis que Bazali, qu'on dirigeait justement l'exécutif national, Bolandi, action à Baron, Ndengenini, au Balakaki, na programme na Oye Salami, Ndengenini opposition, Botali Mosala, Oyo, Mama et Amboyaboya, moi si Yabapé Saki, pouvoir y a gérer gouvernement, Ndengenini Bolandi Mosala nae.
Situation sociale à Congolais continue à s'empirer sous le gouvernement Tsouménois. Je rappelle ici que je prends vraiment le basique. Tout connaître, je crois, augmentation et à l'IPA. Tout connaître, grève. Il y a enseignants, il y a école publique. Lelo, bana bisoli, bazana katia bakelasi. Bana, bazana balabala pendant qu'on revendiquait reprise, il y a bakour. Tout ça, te connaître les sous-sous. Augmentation vertigineuse, il y a bas prix, il y a bas denrées de première nécessité. Tout ça, et qu'on démontrait à suffisance que les 100 premiers jours, et PCB soupenda ba couleur T, j'ai le même suivi à éviter qu'on aborde question il y a 100 premiers jours. Et PCB sou suffisamment couleur T, il y a amélioration et à condition de vie, il y a bas Congolais. Parce que qui n'ont les Congolais dans la situation, il n'y a pas si, bas mesure, oh bas zui, bas effet n'ango, bas application n'ango les lots, tout qu'on constate, il y a vraiment efficacité n'ango sur terrain T, et les Congolais, continuer à accroupir nakati ya misère pas si ezali nzala pénurie ya maïs to connaître en kaka na 100 premiers jours na bango. Donc les difficultés sont encore là mosala na bango ko sala ezali ebele pour que total le lengenini après 100 jours quel est le résultat qui sera donné. Mais le gouvernement Tsumino a aussi brillé par l'absence ya coordination ya ba action. Je crois que yemoko aloba ki dans un des conseils de ministres Basalaki, après carnage à Makala, connaître évidemment le problème de Nyosuana. Donc, les 100 premiers jours, il y a le gouvernement Tsouménois, ils ont porteur d'espoir, au contraire, ils ont renforcé l'inquiétude du peuple Nabiso. Ndeko Rodrigue Amazen, tu commis à Souka et à Manaka Nabiso, top 7. Dernier mot, en tant qu'opposant, secrétaire général, Loba Souka et Zali Nangambonayo, avant Toka Bwana na émission Nabiso. Na kosenga na ba Congolais bi pai biso bazali bae baete bakosamate bande kona biso bazana pouvoir lelo ba ancien ba na ba ancien mobutiste na ba mobutiste mususu ba komi na likanisi ya kozongisa mobutu na bokondi ko komi sa Tshisekedi mobutu ya mibale po eta umela na bokondi seko na seko lokola Congo ezali héritage batikela ki bango na ba boti wo ya bango Congo ezali héritage batikela motote alors biso toko yebisa na ba Congolais bi pai biso bazali ba sangana ebele ba telemela likanisi oyo parce que kozongi samboka na biso sima likanisi ya ko changer constitution pona ko prolonger kaka manda ya Félix Tshisekedi esengeli na Congolais nyonso oyo azali na bolingo ya Congo a telemela likanisi o wana parce que biso deja na envol to bandi likanisi wana biso deja na envol to ko se préparer pe pona ko sensibiliser ba Congolais contre l'ikanisi wana ya ko changer constitution parce que koza la régression pour na Congo et koza la meli ba ko tout ba na constitution na biso congolais nyonso et sengeli a résisté a protesté contre l'ikanisi wana o ezali malamute et ko permettre Congo et mona mikolo malamute liboso na bango et ko fuka misa démocratie to kozonga na sima et ezali inacceptable en vola ko senga na bango pas résister. Bandeko balandi to komi bongo na suka ya manaka na biso top 7 auto zalaki bongo na esengo ya koyamba pona bino maître Rodrigue Ramazani azali bongo secrétaire général ya parti politique en vol parti ya opposition parti e kamba marabongo na ndeko Delice Sanga bongo to pesi bino matondi mingi ba bolandaki na ba ba kozwa peli baku ya kolanda biso na nzela ya bilili tope YouTube merci na bino nyonso botika la bongo branché na ba programme ya Top Congo FM peto Koutani na semaine wez alikoya. Top 7, magazine politique ya Radio Top Congo FM, oyo ezongi la kabasango ya motuya ya Poso Mobimba, elongo na bateur politique pe ya société civile. Présenté par Myriam Bokechu, Mikolo Nyonso, ya samedi na ngonga ya 20h15, pe dimanche na ngonga ya 18h. Pona ko participer, benga na 089 37 35 852. Top 7, politique ya RDC na Bozindo.